Je vais demander à Yannick Kergoat de monter sur scène. Il est monteur, co-réalisateur du film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde. Il est l'un des animateurs d'Acrimed, l'association de critique des médias. Yannick Kergoat va nous projeter un court film de 8 minutes. Il va nous expliquer ce qu'il a mis dedans avant qu'on le regarde. C'est toujours mieux. Asseyez-vous, Yannick. C'est celui-là qui marche. Oui, alors je m'assois, mais je ne vais pas rester longtemps. Ça va être très rapide. Simplement, oui, pour introduire cette journée, peut-être plus particulièrement cette matinée, ce début de matinée, on va parler du travail. J'ai monté un petit film simplement pour rappeler que le cinéma a toujours eu affaire avec la représentation du monde du travail, son quotidien, ses bouleversements parfois violents. On peut même considérer que le tout premier film de l'histoire du cinéma, Les sorties de l'usine Lumière, sont un film sur le travail. Donc voilà, c'est un petit film de 8 minutes pour évoquer ça, pour rappeler ça. C'est pas du tout un film donc exhaustif, hein, vous le comprendrez, mais il est pas non plus, c'est pas du tout un film objectif non plus, au sens où il convoquerait les films les plus connus, hein, les plus reconnus sur la question. Non, c'est une sorte de promenade personnelle. Voilà, je l'ai fait modestement avec ma filmographie personnelle, les films qui m'ont moi touché et qui d'une certaine manière, et comme pour beaucoup d'autres, et certainement pour vous aussi, m'ont formé. Voilà. Donc je vous laisse avec cette petite promenade. Atelier 20, vitesse maximum. Au tout début, quand j'étais pas habituée, je faisais tout le temps des cauchemars. Je rêvais de la chaîne. Mon mari me dit que j'ai changé. C'est vrai, je me rends compte que je deviens dure. Je suis devenue indifférente aux autres. J'ai un peu perdu ma naïveté, en fait. Revenez dans mon bureau. Revenez dans mon bureau, je vous dis. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard, non? Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas? J'ai signalé tes deux retards, j'ai dit que c'était à cause du bus. Ça n'a aucune importance, madame Brigade. Laissez, vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit? Peu importe, ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez été remercié. Je fais bien mon travail ou pas? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte? Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouverture. Donc là, ça a l'air d'être bon. Caméra 18, c'est les caisses. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, qu'elles laissent pas passer un caddie avec des choses à l'intérieur. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, le directeur, il essaye d'augmenter le chiffre d'affaires. Vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite, donc il essaye de virer du personnel. Bien sûr, pour garder les enfants, tiens, pour garder les enfants, il y a des ménages, ils font contre équipe. Un de la tournée A, l'autre de la tournée B. Alors, ils se rencontrent dans les escaliers, quoi. C'est, je t'ai fait chauffer les nouilles, puis le bistec, il est... Arrête le bistec, il va être cuit, et puis c'est tout, voilà. Et c'est tout ce qu'ils ont dans une semaine qui... Je sais pas, qui devrait se voir, je sais pas, normalement... En travaillant, je sais pas, moi je sais bien que... Oh, j'arrive plus maintenant. Ces gens-là, j'en ai vers moi qui travaillent. Ils ne s'aiment plus, ils ne s'aiment plus hein, l'un et l'autre, mari et femme. Ils se tolèrent, ils se supportent. Et puis pour le gosse, pour la maison, pour la pelouse, pour le reste, ils restent ensemble. Omar Zemmoun. 16. Paul Dureau. 17. Serge Kasparian. 18. Michel Marteron. Qu'est-ce que tu fais? Tu es con, quoi? 19. Christophe Brunet. 20. Voilà, les gars, ça fait 20. Mercredi 21 novembre, 42e jour de grève. Moi la paix, moi j'ai rien demandé à personne. Mais tu ne demandes jamais rien, toi. Alors, tes enfants, là, ils prennent des risques et toi, tu fais rien. Oh, t'arrêtes là un peu. Arrête. Eh hey, oh. Dispersez-vous, rentrez chez vous. Nous ne voulons pas d'incident. Laissez-nous passer, nous ne partirons pas. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici. Dispersez-vous, rentrez chez vous, retirez-vous dans l'ordre et le calme. Nous sommes ici pour défendre nos droits, pour nos femmes et pour nos enfants, et les enfants de nos enfants. Nous voulons passer, laissez-nous passer. Nous sommes ici pour défendre nos droits. Keep the struggle going, boys. Keep up the fight. And the inspired words you'll get off our international comrades should give you the spirit to do that. Victory to the Liverpool Dolphins.